Et coucou, aujourd'hui je reviens vous montrer tous mes dessins et colos terminés. J'ai regroupé les mois d'octobre et de novembre parce qu'en octobre j'avais une quantité raisonnable de choses à vous montrer. Et en novembre, je sais pas, il y a eu une espèce de mood de ralentissement en fait, où j'ai pas produit énormément de choses parce que j'avais des gros colos sur des doubles pages où il y avait beaucoup de détails qui m'ont pris beaucoup de temps. Et puis voilà, c'était un mois où j'ai l'impression qu'on fonctionne un peu plus au ralenti. Enfin, du coup, je m'étais dit que comme j'avais du retard pour les colos du mois d'octobre et que j'avais peu de choses à vous montrer en novembre, j'allais tout regrouper et vous proposer aujourd'hui une vidéo qui regroupe un petit peu le tout. Et du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà pu voir ce dessin. C'est un ancien dessin que j'avais réalisé dans mon sketchbook, que j'ai scanné parce que j'avais envie de le mettre en couleur... Pas dans mon carnet, je sais pas pourquoi. Et puis j'avais surtout envie de vous le proposer sur mon blog. Je sais que je l'ai toujours pas fait, faut que je prenne le temps de le faire. J'ai mis en couleur, j'en ai fait un reel sur Insta, donc vous avez dû me le voir le faire. J'ai utilisé des feutres Sharpie, si vous ne connaissez pas, ce sont des feutres qui ressemblent beaucoup aux feutres alcool. Moi je les utilise pour faire des aplats sur mes doodle art, parce qu'en fait on n'a pas de traces. Et souvent je prends quelques couleurs, alors là j'en ai pris pas mal. Mais voilà, j'essaie de les dispatcher pour donner un petit côté harmonieux et j'aime assez le résultat. Si vous me suivez sur Insta, vous avez pu voir tous les jours une vidéo d'un élément que j'ai dessiné et j'ai utilisé tous les éléments de Linktober pour en faire un doodle art en fait. Et j'en suis très contente, c'est la première fois que je vais au bout du challenge du Inktober et j'en suis vraiment ravie. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire régulièrement. J'ai réalisé celui-ci. J'ai en cours celui-là qu'il faut que je termine, probablement en vidéo. Et puis celui-ci, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument que je tourne pour vous le mettre sur YouTube en fait. J'aimerais le terminer avec vous. Et puis celui-ci, je suis pas sûre de vous l'avoir montré sur YouTube. Je l'ai terminé il y a un petit moment déjà. Je fais également du dessin digital. Et je suis très contente d'avoir pu finir cet automne, cette illustration que j'ai commencé il y a plusieurs mois. Et finalement, je trouve qu'elle fonctionne bien avec le mood de l'automne. Donc voilà, je développe plusieurs styles de dessin, dont ce style un petit peu enfantin, un petit peu plus orienté illustration jeunesse. Donc c'est un style que j'aimerais beaucoup développer dans des petites illustrations comme ça. Et pourquoi pas en faire des petites BD, j'aimerais beaucoup faire des petits strips. Donc c'est voilà, c'est des projets que j'ai, que j'aimerais beaucoup arriver à mener à terme. Donc lui, j'en suis très 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 contente en fait. Je suis vraiment contente d'être arrivée au bout, d'avoir fait un décor, parce que le décor c'est vraiment pas mon truc, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, notamment dans ce style de dessin. J'ai également réalisé ce dessin, alors c'était dans le mood Halloween. Je l'ai pas terminé, j'étais pas contente. Alors je suis très contente du personnage. Donc j'aime beaucoup comment je l'ai réalisé en fait. Mais le fond ne me satisfait pas. Il est possible que je le reprenne plus tard, hein, donc je laisse de côté. C'est souvent que je laisse des dessins en cours, que je reprends plus tard quand je suis un peu plus inspirée. D'ailleurs, ça c'est un dessin... oui, bon j'avais l'image de référence en fait. Je suis partie de cette image là et je l'ai fait dans mon style de dessin. Donc je l'ai pas terminé. J'aimerais voilà, ajouter des fleurs derrière pour habiller un petit peu voilà, des petites fleurs devant, derrière. Et puis c'est tout, je pense qu'il sera terminé. Peut-être mettre un petit peu de doodles autour. Mais je pense que je le reprendrai en février-mars, au moment du printemps. Et puis j'aime beaucoup réaliser des portraits. Je vous montre ceux-là en fait. Je vous montre ceux que j'ai réalisés. Quand je suis allée voir le film, je suis fan de Kaamelott en fait, donc j'aime. Donc je fais souvent des portraits de ce genre. Je vous en montrerai d'autres. Là c'était pas Mercredi Adams et Enid évidemment. Donc je fais beaucoup des portraits. Donc là ce sont des fanarts en fait que je réalise. Donc là c'était sur Le Seigneur des Anneaux. Il y avait évidemment Umbrella Academy dont je suis complètement fan. Donc souvent quand je suis fan d'une série ou d'un film, je fais les dessins, donc voilà, c'était Stranger Things. Et là je suis très inspirée par le fait de refaire des portraits de Hunger Games, que ce soit le prequel ou les anciens. Donc je pense que je vais prendre le temps de faire des portraits fan art de Hunger Games. Et puis j'ai un groupe que je vais aller voir en concert dans un an,
Donc je voudrais réaliser le fan art en portrait des chanteurs. Donc voilà, c'est mes petits projets en dessin. Pardon, je vous ai fait bouger. Donc ça, voilà, je vous montrerai tout ça plus tard. On passe au Kirby en Mythomorphia. Je peux vous le montrer maintenant. Je suis très très fière d'avoir pu faire une grosse double page. C'était pour la battle de Lamiana. Tous les mois, on fait une battle. Donc on doit garder secret les dessins qu'on fait jusqu'au jour de la battle. On les découvre en live. D'ailleurs, je suis en train de faire celui du mois de décembre, qui est à rendre pour le 15 décembre à peu près. Je vous le montre pas parce que c'est secret. Vous le verrez quand je ferai la vidéo des dessins écolotermiers de décembre. Mais celui-ci, j'aime beaucoup. Je l'ai réalisé. Donc j'ai fait une base d'aquarelle. J'ai mis du crayon aquarellable pour faire la créature. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est une manticore en fait. Là, on voit ici. Kirby aime beaucoup détailler ensuite, donner des détails à la fin de ses livres, c'est trop bien en fait. Donc la manticore, je l'ai réalisée dans un esprit de feu. Donc j'ai fait mes détails au crayon aquarellable, j'ai repassé un petit coup d'aquarelle pour intensifier. Et j'ai fait le fond à la gouache. Et c'était une des premières fois que j'utilisais la gouache. Et j'adore, il faut que j'apprenne beaucoup plus à l'utiliser. J'aime vraiment beaucoup... faire ça. Donc écoutez, je suis très contente de ce colo. D'ailleurs, si vous me suivez sur Insta, j'ai mon fils de 4 ans qui a voulu participer et qui m'a fait des... J'étais un petit peu dégoûtée sur le moment quand j'ai vu qu'il m'avait fait des graphismes autour. Alors heureusement, il avait pris mes crayons qui étaient très gras. J'avais pu gommer. Je vais vous mettre une petite photo ici de son œuvre, de son chef-d'œuvre en fait. Mais j'ai pu rattraper et on voit quasiment rien en fait, donc c'est super. Dans le monde secret, du coup, on a fait un colo de groupe et j'ai réalisé ce dragon-serpent, je sais pas trop. Je me suis beaucoup amusée à faire la mer, à faire le ciel nuageux et brumeux. Et encore, j'avais que mon pastel à l'huile sennelier blanc. J'ai utilisé des vieux pastels d'écolier qui étaient très secs. Alors j'ai pu me débrouiller pour les mélanger avec le blanc pour donner un effet un peu brumeux. Mais dans mon vlog précédent, vous avez vu que j'ai acheté d'autres pastels sennelier dans les tons noirs, gris, pour faire beaucoup plus de nuages de ce type. Donc parce que ça m'amuse beaucoup. Et tout comme là, j'ai utilisé des pastels très très secs. C'est des pastels gras, mais ils sont pas de qualité. Donc j'ai beaucoup de mal à donner un effet feu. Donc c'est pour ça aussi que j'ai acheté des teintes un peu flamboyantes pour pouvoir faire plus facilement mes effets feu. Et puis c'est tout en fait, j'ai fait dépasser mon blanc pour donner un effet brume dans le fond. Et ben, je l'aime beaucoup. Et normalement j'ai mis du pastel iridescent au niveau du dragon. À la lumière, vous allez voir que ça brille un petit peu. Je vous en ai parlé en vlog et dans le Imagimorphia. Non, celui-là je voulais pas montrer, il date d'octobre. Je vous ai teasé dans mon vlog, mais c'était un colo pour accompagner Julie. J'ai décidé de faire des escargots zombies, un petit peu inspirés des marcheurs blancs dans Game of Thrones pour ceux qui connaissent. Et j'aime beaucoup le rendu. J'ai eu peur de ne pas réussir à faire ce que je voulais parce que à la base les escargots étaient juste dessinés, il n'y avait pas du tout de son. J'ai redessiné les montagnes. J'ai dessiné des montagnes dans le fond ici. Et j'ai beaucoup joué avec les contrastes, donc pareil, hein, mes pastels, je vais pouvoir faire des effets bien plus sympas avec mes nouveaux pastels. Donc voilà, j'ai mis des pastels, j'ai fait un effet brume et j'ai mis des éclaboussures blanches pour avoir l'impression qu'on est dans une tempête de neige. Et je l'aime beaucoup, je trouve très réussi, j'en suis très contente. Et j'en ai fait un autre. J'ai terminé toute fin novembre et je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors pour l'histoire de ce colo, je suis partie sur une tache rouge que mon fils a fait. C'est moi qui lui ai demandé de la faire. C'était pour me challenger et je devais me débrouiller avec ça. Le slip, c'est parti d'un délire sur Twitch en fait. Si vous avez vu mon vlog précédent, j'en parle un petit peu plus. Je vais pas détailler et là maintenant.
Et du coup, comme j'avais une tache rouge, je me suis dit, bah, tant qu'à faire une tache rouge, autant me lâcher et faire un effet arc-en-ciel. Donc j'ai utilisé de l'aquarelle et des encres d'illusion qui sont hyper... Enfin, moi je les adore, elles sont hyper peps. Sauf que bon, le papier n'est pas de top qualité. Donc j'ai fait carnage derrière, mais c'est pas grave. Quand je le ferai, je le rattraperai. Donc du coup, il sera coloré ou pas. Je trouverai une solution pour le rattraper, c'est pas grave du tout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toute ma base à l'aquarelle. Si vous voulez savoir comment j'ai fait ma base arc-en-ciel aquarelle, j'ai mis une vidéo sur Insta. Ensuite, j'ai mis de l'encre par-dessus. Donc c'est de l'encre en spray que j'ai un petit peu étalée. Et puis, quand ça a séché, je n'ai contrasté que l'aigle. Donc j'ai intensifié les zones d'ombre avec un crayon drawing noir. Puis avec le crayon drawing blanc, j'ai mis des zones, bah les zones de lumière, en fait les zones qui étaient éclairées. Je l'ai détouré avec un crayon, un feutre acrylique noir. Et c'est tout. Bon, je vais ajouter un slip, mais ça c'est un délire. Et j'ai détouré mes doodles blancs autour uniquement pour le faire ressortir. Parce que c'est vrai qu'en fait il est assez sombre, il ressort bien. Et là j'avais pas envie de refaire tous mes doodles. Donc là j'ai rajouté du pastel noir et gris pour intensifier et cacher un petit peu. Et du coup j'ai transformé ça en fond galaxie, j'adore ça. Et puis là comme je m'étais amusée à faire couler l'encre, ben, c'est quelque chose que j'adore faire. J'ai rajouté des doodles, des petits motifs. J'aurais aimé me lâcher plus, mais honnêtement ça faisait un petit moment que j'étais dessus, j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Surtout que j'étais sur deux colos, deux gros colos, dont un Clara Markova que je vous montre juste après. J'avais vraiment besoin de passer à autre chose, donc j'en suis très contente, il me plaît beaucoup. Je me rends compte que je peux me lâcher totalement dans mes livres de colo comme je me lâche en dessin. Et ben, je pense que je vais pas me priver pour les prochaines fois parce que ça m'a vraiment amusée, détendue. Enfin, au niveau de ma créativité, j'ai pris énormément de plaisir. Donc je pense que vous verrez davantage de pages un petit peu complètement, voilà, qui partent un peu dans tous les sens. Mais c'est ce que j'aime, ça se rapproche un peu plus de mon style de création et bah, je vais continuer hein. Dans le mythe et légende, alors c'était tout début octobre, j'avais même, j'ai eu un doute hein, si c'était sur septembre ou pas que je l'avais fait. À la base c'était un coloriage que je n'aimais pas parce que Baba Yaga me faisait un petit peu peur, et finalement je l'ai entamé avec Néo, on l'a fait en duo toutes les deux, d'ailleurs elle a fait une version magnifique également. Et je l'aime beaucoup, je me suis inspirée d'une photo d'arbre de bouleau en automne. Dans mon premier vlog, dans le vlog numéro 1, si ça vous intéresse, vous me voyez un petit peu l'avancée. Donc j'ai fait un speed, un color with me dans lequel je parlais un petit peu. Et c'était, je vous parlais un petit peu de mon absence ces dernières années, de pourquoi j'étais pas régulière et pourquoi j'avais du mal à revenir. Et en même temps j'étais en train de faire une partie de ce colo et je trouve super bien. Donc j'ai fait tout ça à l'aquarelle. Je crois que Baba Yaga j'ai fait au Prisma et j'ai blendé avec un crayon blender et c'est tout. J'ai fait que ça et je trouve super. Je l'aime beaucoup. J'ai découvert les livres de Anna Carlson. J'en possède deux pour le moment. Alors j'ai la version néerlandaise parce que le papier est de très très bonne qualité. Donc ça c'est le Witch Cottage, j'ai également le City Among the Stars dans lequel j'ai un encours que j'adore et que vous verrez à la fin du mois de décembre. Sur ma wishlist j'en ai déjà trois, j'ai le Atlantis qui va sortir en février en version néerlandaise, j'ai le Forest que je voudrais et le Seasons. Et je pense que dans ces anciens il y en a d'autres que je vais très certainement commander, mais je les prends petit à petit. Je suis totalement fan de son style de dessin, vraiment je prends énormément de plaisir à colorier dedans. Et du coup c'est un colo que j'avais obtenu en récompense de stream sur le live de Laimiana qui avançait son Witch Cottage et qui l'a terminé. Il est juste magnifique. Moi je l'entame, hein, c'est mon premier colo dedans. Et du coup bah, je l'ai réalisé un petit peu en mode Daenerys, je me suis un petit peu inspirée de ses cheveux. Alors j'ai un petit peu loupé l'étain, c'est un petit peu trop jaune, mais c'est pas grave hein. Bah les fonds galaxies c'est ce que j'aime, donc vous aurez souvent des fonds galaxies dans mes colos. Je vais essayer de faire varier les teintes parce que pour pas que je m'ennuie et pour que ça change. J'ai fait beaucoup de détourages, j'aime beaucoup. Et le cœur des fleurs et des étoiles, j'ai mis du feutre acrylique argenté. Donc normalement vous verrez que
ça brille. J'ai également réalisé, là c'est un des derniers que j'ai terminé, dans le Clara Markova, donc j'en ai commandé deux. Au début j'aimais pas du tout le style de dessin, je sais pas pourquoi, je n'accrochais pas. Et en fait, j'ai un coup de cœur pour ces illustrations. Je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais j'ai un coup de cœur parce qu'en fait je me rends compte qu'on peut faire énormément de choses. Donc j'ai réalisé celui-ci pour le collant en commun de Julie sur le thème dans la forêt automnale. Et ben je l'aime beaucoup. Je sais qu'il n'est pas parfait, je suis pas satisfaite de mon fond. J'ai fait une double page parce que j'avais fait des taches à l'aquarelle et c'était pour masquer. Finalement ça fait super joli aussi. Je suis pas sûre de faire des doubles pages à chaque fois. Mais en tout cas, il est terminé. C'était mon premier effet poil. Je trouve que c'est... Je suis plutôt satisfaite. Hein. Il est perfectible, je peux encore l'améliorer. Mais en tout cas, j'en suis contente. Je l'aime beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup les teintes de mes noisettes et de mes feuilles. Donc voilà, c'était mon premier Clara Markova. Donc, ce sera pas mon dernier. J'ai hâte de pouvoir en refaire dedans. Et puis voilà. J'ai fait quelques PDF. Donc j'en ai fait deux de Rêverie Color en fait. Alors... Rêverie Color, pour le coup, donc ce sont, je crois qu'ils sont deux illustrateurs, je les suis sur Insta, qui réalisent ces illustrations. Alors, elles sont assistées par IA en fait. Donc, ils le précisent, ils le cachent pas. Moi, c'était des PDF que j'ai acheté il y a 2-3 mois à peu près. Donc, j'ai pas. On va pas débattre sur l'IA, je n'ai pas tellement d'avis pour le moment parce que. Pour moi, on est au tout début. Évidemment qu'il y a des choses qui posent problème, mais je pense que on peut en faire un super outil si le jour où ce sera réglementé. Et tout comme quand Wikipédia est arrivé, quand le digital est arrivé, quand notamment le dessin numérique, hein, Photoshop, PowerCreate, voilà, ça a posé problème à ce moment-là. Je m'arrête là, je vais pas rentrer dans les détails. Du coup, je vous les montre parce qu'en fait, j'étais contente de les avoir faits. Je sais pas si je vais aller beaucoup dedans ou pas. J'arrive pas à savoir comment me positionner sur l'IA, dans la manière dont c'est fait en tout cas aujourd'hui. Donc c'est en réflexion dans ma tête. Si vous avez votre avis à donner là-dessus, donnez-le. Mais voilà, en étant respectueux, il n'y a pas de souci. Mais... J'ai pas spécialement envie pour l'instant de mettre en avant l'IA, j'en ai pas hein, à part cela, et encore je sais pas du tout dans quelle mesure ils disent que c'est assisté par l'IA, je sais pas du tout comment ils créent leurs illustrations, mais je n'achète pas j'aime acheter des livres d'illustrateurs parce que je dessine et pour moi je les collectionne parce que ce sont des recueils d'artwork en plus de pouvoir les colorier. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toute la collection de Kirby Rosan et que j'ai probablement acheté une bonne partie de la collection de Anna Carlson parce que je suis fan. Ce sont de très beaux livres. Mais voilà, donc je vous montre ces deux-là. Je suis pas sûre de vous montrer les suivants ni même d'en faire. Pour l'instant, j'attends que ce soit réglementé, j'attends que ce soit un petit peu moins flou et puis on verra comment je gérerai le truc. Sinon, j'ai fait quelques spooky. Donc le spooky... Alors, je l'ai en PDF, mais c'est pas le lien. Alors, le Cocorio, c'est un collectif d'illustrateurs. Et le Spooky Girl n'est plus édité en livre papier. Donc, je l'ai commandé sur leur boutique Etsy en version PDF. Donc, je les imprime au fur et à mesure. Donc, je vous les montre rapidement. Hein, c'est vraiment des colos que je fais base feutre alcool, aquarelle, et puis c'est tout. Hein. Donc j'en ai réalisé deux. Et je les aime bien. C'est toujours très chill, très détente d'aller dans les Cocorio. Dans les Spooky Girls, pardon. Et puis deux Cocorio également. Donc ça c'était pour le thème du mois d'octobre. C'était c'est bizarre, c'est étrange. Et du coup j'ai imprimé ce freebie de Cocorio. Qui m'a fait penser à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un de mes univers préférés en fait. C'est pour ça qu'en fait elle a sa robe un petit peu. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai mis une base rapide de feutre à alcool et j'ai tout ombré à l'aquarelle. Et je l'aime vraiment beaucoup ce dessin. Enfin, je suis vraiment fan de ce dessin. Je trouve
je trouve l'illustration magnifique. Elle est vraiment dans le style que j'aime. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir à la mettre en couleur. Enfin, c'est... Voilà, je suis trop contente. Je vais vous montrer un petit peu mes coloriages d'Halloween en fait. C'était au mois d'octobre, j'ai fait pas mal de... J'étais encore dans le challenge d'Elaïs jusqu'à fin octobre où il fallait les zombies, les personnages possédés, voilà, rapporter pas mal de points. Donc je vous montre les Mystic Misfit. Alors lui par contre on le fait pour accompagner les couleurs d'Alice. En octobre on a suivi Alicia. Sur celui-là, d'ailleurs, je me suis trompée parce que j'ai cru que c'était une partie de son crâne alors que c'est le bout de la hache. Donc du coup, j'ai pas mis la bonne couleur, mais c'est pas grave du tout. Je suis très contente des ombrages sur le crâne. Enfin, j'aime beaucoup. Comment... De toute façon, c'est un livre qui est tout petit, hein, donc c'est très rapide de faire dedans. Il coûte pas cher, il est très agréable. Voilà, si vous voulez faire des petits colos rapides qui rendent bien, vraiment, je vous conseille le Mystic Misfit. Et le deuxième, c'était celui-ci. Et celui-ci, je n'ai pas fait de base. J'ai fait directement les cheveux au crayon aquarellable. La peau aussi, je crois que j'ai tout fait au crayon aquarelle. Et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet dans les cheveux. Et le contour, je ne sais pas si vous allez le voir, je l'ai fait au feutre acrylique argenté. J'ai commandé des paillettes, je vais avoir des stickers dans pas longtemps. Donc je pense que je vais me lâcher au niveau paillettes dans celui-ci. Donc là je suis en train de faire celui du mois de décembre. Je vous le montre pas, je vous le montrerai à la fin du mois de décembre. J'ai fait cette zombie. Donc c'était un colloque groupe avec Néo et Julien. Et forcément j'ai fait une zombie. C'était pour avoir des points pour le challenge d'Eléis. D'ailleurs je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Parce que voilà, c'est quelqu'un de génial. Et puis son challenge, voilà. Si tu passes par là, Elise, encore un énorme merci pour ton challenge. Enfin, je le referai sans aucune hésitation au prochain. C'était vraiment, on a passé de très bons moments. J'ai mis une base de feutre alcool uniquement sur le perso, les arbres et la tombe. Et j'ai fait tout le reste à l'aquarelle. J'aime beaucoup la manière dont j'ai réussi à mettre de la lumière à ce niveau-là. Et puis en vrai les zombies c'est trop drôle à colorier quoi, c'est super rigolo. Et j'ai réalisé celui-ci également, donc en mode zombie dans une grotte parce que du coup zombie plus grotte ça rapportait plein de points. Et est-ce que j'ai mis du feutre alcool? Oui, j'ai fait une base de feutre alcool et après j'ai fait de l'aquarelle pour la grotte. Et je crois que c'était au crayon de couleur, mais je sais plus lesquels. Vraiment, j'ai pas de mémoire quand il s'agit de se rappeler, surtout quand ce sont des vieux colos comme ça, ils datent d'octobre. Dites-moi si ça vous intéresse de savoir quel crayon ou quel matériel j'ai utilisé, parce que faut me le dire, à ce moment-là, je mettrai des post-it et j'écrirai un petit peu ce que j'ai mis, parce que sinon je suis incapable de me rappeler de ce que j'ai fait. Quand ça a plus d'un mois en fait. Donc voilà pour le Gothic Fantasy. Et alors lui, j'adore Coco Wayo, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est un achat que j'ai regretté. Je ne l'ai pas acheté pour faire un colo par jour. Je me dis que j'allais en faire quelques-uns. Je l'ai surtout pris pour faire le coloring tuber de Laimiana et me dire que j'allais trouver des éléments que je pourrais trouver dedans. Mais voilà, les élus sont pas... c'est pas ouf en fait, j'ai pas vraiment aimé. Ce sont des élus très simples, il y en a qui sont sympas. Hein. Mais je pense que c'est un... Je vais le garder pour de temps en temps, tous les ans, vers la période un petit peu Halloween spooky, en faire un ou deux. Il y en a un seul que j'ai fait dedans et qui était bien travaillé, c'est lui en fait. Et lui je l'ai fait pour le challenge d'Elaïs, donc j'ai fait... Une base au feutre alcool, ombrage aquarelle et un petit peu de drawing noir pour donner un effet un petit peu sali, un petit peu spooky et je l'aime beaucoup. Dans le Spooky Boy, j'ai fait celui-ci que j'avais commencé il y a un petit moment. J'avais commencé pour tester les twin markers que je venais d'acheter et je me suis pas rendu compte, j'en suis rendu compte à la fin, j'ai remonté un petit peu, que le tourbillon qu'il a au dos, c'est la suite de son corps à lui, à la créature
Donc du coup, j'aurais dû normalement rester dans ces teintes-là. Mais c'est pas grave, je me dis que lui, il rentre dans un tourbillon de bleu. Enfin, c'est pas grave, hein. ça me va quand même. J'aime bien dans ce livre parce qu'il y a toujours un petit chat noir qui me rappelle ma petite Lilou. Et puis, je termine cette vidéo sur mes colos du mois de octobre-novembre. Et donc là, c'est parti d'un délire. Je vous l'ai montré sur mon dernier vlog, mais je ne vous l'ai pas montré terminé. Donc, on avait fait avec Mylène, de la chaîne Mylène, Macoart, pardon. Je vous mets également sa chaîne, comme ça vous pourrez aller voir ce qu'elle fait. Et avec Argarat, donc on aime beaucoup la série The Big Bang Theory, Young Sheldon. Et moi, je suis une grande fan de Sheldon Cooper, vraiment. Je l'adore, c'est mon petit chouchou. Et du coup, pour Halloween, donc c'était fait, j'ai terminé en novembre, mais on s'était lancé le défi fin octobre, à l'approche d'Halloween, pour reprendre dans la série, si vous suivez, il se déguisait en effet Doppler. Donc du coup, le but était de trouver un personnage et de faire un fanat de Sheldon Cooper déguisé en effet Doppler. Et puis voilà, comme c'est un geek et que je suis geek aussi, j'adore ça. J'ai modifié un petit peu les masques. Alors voilà, je suis pas très contente parce que je trouve qu'ils sont pas très bien intégrés au fond, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait quelques petits personnages. Oui, j'ai mélangé Marvel et DC Comics, hein. Je préfère Marvel, ça c'est sûr. Mais bon, j'ai fait ce que je pouvais avec la forme des masques qui existaient déjà. Donc j'ai caché les autres en noir. Juste laissé le petit crâne parce que voilà, je l'aimais bien. Et que... Mais sinon, voilà, j'ai essayé de faire quelques super-héros dessus. Et puis voilà, donc bah écoutez, je suis très contente de ce que j'ai fait. Je prends beaucoup de plaisir à aller dans mes livres. Je suis très contente d'avoir d'avoir découvert le monde du colo. J'espère qu'en mois de décembre, j'aurai un peu plus de dessins à vous montrer. Ah oui, au niveau des dessins, j'ai également réalisé des dessins pour la chaîne de Canson Ismar. Si ça vous intéresse, donc en plus ce sont des tutos, donc ce sont des dessins que je fais en tuto, notamment en doodle art. Donc si vous voulez aller voir, je vous mets la chaîne en barre d'infos. Comme ça vous verrez mes autres dessins que j'ai pu réaliser pour Canson. Et puis oui, je vais essayer... alors peut-être pas ce mois-ci, je sais pas au niveau du temps que j'ai, si je vais pouvoir faire un peu plus de dessins. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en janvier, je voudrais faire plus de dessins. Et puis, continuer le colo, hein, parce que c'est quelque chose que j'adore et que je suis très heureuse d'avoir découvert. Et je remercie énormément toutes les colocopines et les colocopins avec qui on colorie, avec qui on se retrouve sur les lives, avec qui on échange, etc. Parce que... Et bien parce que c'est trop chouette de pouvoir partager sa passion avec des gens qui ont la même passion. Ou même tout simplement de parler d'art en fait. Parce que moi je colorie mais je fais aussi du dessin. Et puis je suis passionnée d'art en fait. Je suis passionnée d'art. Donc voilà, discuter, échanger. Je trouve que c'est très inspirant et motivant au niveau artistique. Et ça fait du bien. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Salut !